Docteur Fatoum El Khdari, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, le réchauffement de la Terre inquiète avec augmentation, bien sûr, substantielle des températures. On est en train de le constater actuellement. La raréfaction de l'eau et également une crise qui risque d'affecter aussi l'alimentaire. Cette question, dans les conséquences, se rend dramatique sur l'humanité. Sera-t-elle un des grands défis du président ou du prochain président de la République, Madame El Khdari? Moi, je pense que ça l'est déjà pour nous tous et en particulier pour le premier homme à la tête du pays. Et je pense qu'il est conscient de ça. Sur ce plan, je ne fais pas de soucis. Je pense que déjà, il avait mentionné la question de la sécurité alimentaire parmi les priorités du pays. Et elle est intimement liée à la question des changements climatiques, à notre capacité d'adaptation et de résilience. Mais elle doit figurer parmi les priorités des priorités du prochain président de la République à l'issue, bien sûr, de l'élection du 7 septembre prochain, docteur El Khdari. Je pense, tout à fait, quel que soit le président, ça fait partie des priorités pour l'Algérie, à mon sens, en tant qu'agroécologiste, parce que la question des changements climatiques, elle fait interférer tous les domaines de la vie, à la fois les aspects biophysiques du milieu naturel, mais aussi les aspects socio-économiques, notre système de développement économique, d'éducation, de recherche, tout. Elle implique, je dirais, toutes les activités humaines. Alors, une des plus grandes conséquences, c'est la migration climatique. On en parle de plus en plus aujourd'hui, induite bien sûr par la crise de la faim. C'est ça la grande menace, puisqu'on parle aussi de changement climatique intimement lié à la question de la sécurité alimentaire. Tout à fait. Déjà, si on se rappelle les sécheresses des années 70, il y avait justement une sécheresse qui avait marqué surtout le Sahel, mais une partie du Maghreb. Mais il y avait déjà à cette époque des mouvements migratoires assez marqués. Parce que l'être humain, par définition, la première des choses, c'est l'instinct de survie. Et dès qu'il n'a plus de quoi se nourrir, il se déplace et il est en quête d'alimentation ou d'aliments, pour parler simplement. Et cette question climatique ne va pas changer la règle de la vie humaine et de la biologie humaine. Dès qu'il y aura accentuation des phénomènes de sécheresse ou des catastrophes comme autres phénomènes extrêmes qui vont obliger les gens à se déplacer en quête de vie et de nourriture pour survivre. Et ça, je dirais, aucune nation n'est à l'abri des conséquences des changements climatiques et de leur impact. Et on commence déjà à les sentir. Il y a pas mal de régions du monde qui commencent à sentir l'impact des changements climatiques. Alors, pour le président prochain, il faudrait qu'il inscrive cette question comme étant une priorité. Il faut une stratégie sur le moyen et long terme. Il faut des actions concrètes et urgentes également. Docteur Fatoum El Khdari, puisque nous avons vu parmi les conséquences et la raréfaction de l'eau dans notre pays. Oui, la première conséquence pour un pays comme l'Algérie et tous les pays de la rive sud méditerranéenne, c'est les sécheresses et par définition la récurrence des sécheresses induit une déficience, ou je dirais une carence en matière de ressources hydriques. Et d'ailleurs, à la fois, je dirais, sécurité alimentaire et sécurité hydrique restent intimement liées. Et ils ont un impact sur d'autres volets de la vie humaine, en particulier sur la santé, sur le développement économique et social, etc. Et je pense que tout ce qui touche à la question de l'eau touche à la vie. D'ailleurs, dans notre saint livre, on dit « J'ahanna min al-ma ikulla shay'an hayya ». Sans eau, il n'y a aucune vie sur la planète. Et je pense qu'une des priorités, c'est justement de mettre tous les efforts pour économiser la moindre goutte d'eau. Sur le plan agricole, sur le plan urbain, sur le plan industriel, je pense qu'il y a eu des travaux qui sont faits en Algérie. Il y a eu implication de tous les secteurs. Je sais que le ministère de l'Environnement a déjà fait pas mal d'efforts et pas mal de documents relatifs au changement climatique, dont je peux citer le plan national climat, tout ce qui se rattache à la Convention internationale sur les changements climatiques. Et il y a eu aussi
une stratégie nationale qui a été élaborée et finalisée l'année dernière par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais ce n'est pas uniquement le ministère de l'Enseignement supérieur. Il l'a piloté, mais en impliquant les scientifiques des différents secteurs. Et à mon sens, il y a eu un travail considérable. Auparavant, il ne faut pas aussi négliger ce qui a été fait par le ministère de la transition énergétique sur la question des changements climatiques et l'adaptation en Algérie. À mon avis, si on fédère tous les travaux qui ont été faits, les efforts, nous pouvons vraiment faire face à ce défi qui est un défi mondial. Un autre volet qui me paraît important par rapport à la question des changements climatiques, certes, la stratégie nationale est faite, il y a eu des documents qui sont élaborés, il y a des volets qui doivent rester à l'ombre, qui relèvent de la stratégie du pays, mais il y a aussi, un volet que nous ne devons pas négliger, c'est le suivi-évaluation de cette stratégie et de sa évaluation de sa mise en œuvre. Et ça doit être, à mon avis, vraiment une règle à respecter. Et à cet effet, je me rappelle le comité qui a été impliqué dans l'élaboration de cette stratégie nationale, qui a été, demandé par le gouvernement et avec en tête le Premier ministre. Nous avons suggéré à l'époque qu'il y ait une sorte de conseil scientifique multidisciplinaire, multisectoriel. Il y a des compétences dans tous les secteurs. Bien sûr, la majorité des scientifiques relèvent du secteur de l'enseignement supérieur et qui doivent être reliés directement à la présidence ou au moins au Premier ministre et qui suivent à la fois la mise en œuvre et aussi tous les outils d'évaluation de cette stratégie. Je pense qu'on n'y échappe pas, on n'a pas le choix. Alors le prochain président doit installer pour cette suivi et évaluation de cette stratégie un comité scientifique qui soit placé sous son autorité directement, docteur Fatom El-Khdari, puisque nous avons vu qu'aujourd'hui cette question est devenue centrale à travers le monde avec la flambée également sur les marchés mondiaux des matières premières essentielles. Tout à fait. Cette question des changements climatiques, elle met tout en ébullition. À la fois le biophysique, c'est-à-dire tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est phénomène lié à la nature, les incendies, tous les phénomènes extrêmes que je peux citer, bien sûr, mais il y a aussi les aspects liés à tout ce qui est développement socio-économique, et je dirais même culturel. Donc nous avons intérêt à mettre des jalons de suivi, évaluation de la stratégie, et qui touche à tous les secteurs, parce que ce n'est pas un secteur qui est plus pénalisé ou qui doit être plus... Tous les secteurs doivent être impliqués et tous les secteurs doivent être évalués, y compris, je dirais, la recherche scientifique dont je dépends. Mais quel serait ce rôle, bien sûr, de ce comité ou de cette task force installée au niveau du président de la République? C'est tout à fait une sorte de task force, comme vous venez de le signaler. Mais moi, je dirais, d'abord, elle suit tout ce qui est fait au niveau de la stratégie. Qu'est-ce qui a été fait comme action? Qu'est-ce qui a été mis en œuvre? Puisque les actions sont bien décrites dans la stratégie. Et puis, les outils d'évaluation sont élaborés exactement. Oui, allez-y. Et donc, ils doivent suivre. Si il y avait aussi, à ma connaissance, une période d'évaluation. Et je tiens à signaler que s'il n'y a aucune, je dirais, aucune action, aucun phénomène brutal qui survient, l'évaluation, elle peut être installée ou faite tous les 5 ans, comme on le fait classiquement pour tous les programmes, tout ça. Mais s'il y a un phénomène extrême qui se déclenche, on est obligé d'intervenir pour corriger. Et là, la task force, elle doit alerter et elle doit donner les indicateurs justement pour cette réorientation ou cette réhabilitation de la stratégie. Mais cette task force aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'elle va travailler sur des documents qui ont déjà été élaborés par plusieurs institutions, puisque vous avez cité le ministère de l'Environnement qui a déjà mis en place une stratégie, vous avez l'enseignement supérieur avec son apport également et la recherche scientifique, et vous avez aussi d'autres institutions comme l'INES que vous trouvez actuellement comme chercheur. Est-ce qu'on peut considérer qu'on part déjà avec une base, un travail qui a déjà été élaboré? Et quels sont ces résultats, madame? Vous avez tout à fait raison. Il y a toutes les institutions qui sont impliquées et qu'il faut impliquer. Bien sûr, je venais d'indiquer qu'il y avait des indicateurs d'évaluation qu'il faut utiliser pour cette évaluation, mais ça ne nous empêche pas de faire appel
enfin, cette task force, elle doit justement continuer à interpeller toutes les institutions impliquées, qu'elles relèvent des secteurs ou qu'elles relèvent d'instituts comme l'Institut de la stratégie globale, que je connais bien et qui font de l'excellent travail par rapport aux stratégies nationales du pays, mais aussi par rapport à la question climatique. Moi-même, je suis intervenue dans ce dossier sur le volet agriculture et sécurité alimentaire dans le cadre des changements climatiques. Et je pense qu'on doit faire appel à tout. Toutes les institutions et à toutes les compétences du pays. Et cette task force, elle doit avoir justement le feu vert de communiquer et qu'on lui communique toutes les données, toutes les informations. Elle doit avoir aussi la possibilité de désigner des petites équipes scientifiques qui se dépêchent sur le terrain. Je tiens à signaler aussi, à souligner un point qui me paraît très important. L'évaluation ne doit pas être faite uniquement sur des documents et des chiffres. Pour moi, l'évaluation, surtout qui touche au milieu biophysique, à des questions comme celle du changement climatique, elle doit se terminer par une évaluation sur le terrain. On se réfère d'abord aux rapports, aux données, aux mesures qui ont été faites par telle ou telle institution, et ensuite, on dépêche des équipes pour confronter. Je donne un autre exemple, la question de l'aménagement des territoires. Notre faiblesse, je sais qu'il y a eu des travaux extraordinaires, mais c'est uniquement au niveau de l'évaluation, suivi-évaluation. Si on dépêche des équipes sur le terrain et qu'on rende compte aux décideurs, aux premiers hommes du pays, je pense que les choses avanceront beaucoup plus vite. Mais que décline exactement cette stratégie qui a déjà été élaborée, docteur Al-Khdarki ? Qu'est-ce qu'elle indique ? Elle indique à la fois les actions à mener. Je donne un exemple. En agriculteur, on sait qu'on utilise presque 67 à 70% de l'eau disponible. Eh bien, les premiers indicateurs de mesure et d'évaluation, de combien on est passé pour l'économie de la ressource hydrique en irrigation. Combien d'hectares sont passés à l'irrigation localisée. Combien d'eau usée, traitée et dirigée vers l'agriculture. Jusque-là, nous utilisons moins de 5% et uniquement dans la région ouest, qui est vraiment marquée par les sécheresses. Ça, c'est des... On peut aussi voir d'autres facteurs de l'agriculture par rapport à la désertification. Combien de mises en défense ont été installées? Le reboisement, le barrage vert que le président de la République a relancé, et à juste titre, je pense que c'est une action très importante. Mais la question du barrage vert, moi je vais ouvrir une autre parenthèse, elle ne doit pas se limiter uniquement au tracé de l'ancien barrage vert, qui était une excellente idée de l'époque. Mais les choses ont évolué. Aujourd'hui, cette question du barrage vert, elle doit impliquer tous les territoires. On doit aller aux territoires du Nord qui sont incendiés, qui subissent des pertes considérables chaque année, mais elle doit impliquer aussi les 87% du territoire. Je veux parler des régions sahariennes. Donc il faut réaliser des barrages verts à travers tout le territoire national, avec une vision rénovée pour adapter les cultures en fonction de cette raréfaction de l'eau. Oui, et je donne un exemple. Par exemple, pour les régions incendiées, tout ça, on est obligé de faire suivre. Il y a aussi des scientifiques, des spécialistes des forêts qui doivent suivre. Parce qu'il y a des zones peut-être qui vont se réveiller d'elles-mêmes naturellement. Mais il y a des zones où il faut activer cette reprise de la forêt par des régénérations, je dirais, artificielles, si je peux m'exprimer ici. Mais il y a des zones qu'il faut étendre, il faut cartographier. Et là aussi, moi, je dois dire que l'ancien barrage vert doit nous servir je dirais, d'école. C'était une expérience peut-être qui n'a pas réussi à 100%, mais à mon avis, elle nous apporte beaucoup aujourd'hui. Elle apporte même des idées à d'autres régions du monde. Le tout même à travers le monde. Oui, au niveau des agences, c'est ce que je dis. Le tout, c'est qu'on en tire des leçons. Par exemple, moi, la première des choses, je vais évaluer de combien je dispose de pépinières qui peuvent me fournir les plants. Elles sont où, ces pépinières? Il ne faut pas planter des plants qui ont été élevés dans une zone tempérée, les emmener dans la zone steppique aride, ou voire même hyper aride, puisque maintenant... Où les températures atteignent pratiquement les 50 degrés. Et plus. Donc il y a toute une démarche à faire. Et puis il y a la cartographie, il y a les zones à reboiser, et puis il y a le choix des espèces. Si je peux faire des espèces utiles écologiquement et économiquement, c'est encore mieux, parce que ça va aider les populations à être elles-mêmes le porteur de leur projet.
Alors, docteur Fatoum Lakhdari, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette question, par rapport à ce chantier qui doit être impérativement ouvert, bien sûr, pour les prochaines échéances, à l'issue, bien sûr, de l'élection présidentielle, comme priorité des priorités. C'est ce que vous avez indiqué dans la première partie de l'invité de la rédaction pour le président élu. On a parlé, bien sûr, aujourd'hui des conséquences. Vous avez parlé de la nécessité d'élaborer des cartographies. Est-ce que nous avons déjà cette aide, cet instrument d'aide à la décision, c'est-à-dire une carte cartographie sur les régions qui sont les plus menacées aujourd'hui par ces phénomènes, docteur Lakhdari? Oui, je vous remercie pour cette question. Il y a d'abord, bien sûr, la carte de sensibilité à la désertification qui a été faite depuis des années par la Direction générale des forêts, en faisant appel aussi à des scientifiques avérés dans le domaine. Mais cette carte, elle nécessite aujourd'hui, je dirais, une réactualisation. Mais maintenant, ce que je voudrais souligner, c'est que par rapport à la relance du barrage vert dans cette nouvelle vision à la fois de gestion du risque de désertification, mais aussi de développement, socio-économique de nos territoires, il nous faut vraiment développer la cartographie. Et nous avons des compétences. Il y a aussi des universités qui ont leur cartographie. Je ne citerai que Babzouar ou l'ENSA d'Alger. Mais il nous faut aller plus loin et développer toutes les zones où on peut reboiser. Il faut le faire. Tout à l'heure, je vous parlais des régions sahariennes. Bien sûr, ce n'est pas des régions forestières. Mais je vais vous dire une chose. Le Sahara couvre 87% du territoire. Et c'est là où nous avons, notre avenir. Et nous avons des référentiels qui ont permis à des populations algériennes de s'y établir. Je veux parler du modèle oisien. Et le modèle oisien n'est rien d'autre que né qu'à travers la création, d'une forêt spéciale désert qui est la phéniciculture, la culture des dattiers. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Le palmier dattier est une des espèces fruitières les mieux adaptées aux zones les arides ou les extrêmement arides, chaudes. Et en plus, même sur le plan, climatique, c'est une espèce qui est en mesure de séquestrer un important taux de CO2. Et si ma mémoire ne me trahit pas, les scientifiques qui ont travaillé sur ça à travers le monde indiquent 200 kilos par arbre et par hectare. Et je fais juste, une multiplication. Pour un hectare où on plante 120 palmiers, c'est la pratique classique chez nous, c'est 24 tonnes de CO2 qui sont captées par an. Donc nous avons des espaces qui sont très importants. Et même sur le plan développement socio-économique, nous avons intérêt à étendre l'idée ou la stratégie du barrage vert à ces régions. Je voudrais évoquer aussi... Lesquelles des régions exactement? Est-ce qu'on peut les citer? Je vais vous dire une chose. En tant que membre scientifique de l'INESC, je sais que l'INESC a émis ou initié un projet qui est en cours, d'élaboration concernant la région Ain Salah Tamara 7, ce qui me paraît à la fois très intéressant et voire même stratégique sur le plan, du développement local, mais aussi dans vision globale du développement du pays, d'interférence interrégion. Et ça me paraît capital. Si on peut lier ce projet par rapport au projet de la relance du barrage vert, là, c'est une très très bonne expérience que l'Algérie va développer et elle risque même de servir de leçon pour d'autres. Mais le plus grand risque actuellement, c'est bien sûr le phénomène de l'ensablement, docteur Lakhdari, puisque nous avons vu que les semaines dernières, avec les tempêtes de sable au niveau de certaines localités du sud du pays, des particules de sable étaient dans l'atmosphère au niveau des régions du nord du pays. Ils sont en partie même plus loin, du côté de l'Europe. Écoutez, l'ensablement, par définition, c'est l'avancée du désert. C'est le stade ultime de la désertification. Voilà. Quand on arrive au déplacement... Les dunes qui se déplacent. Au déplacement des particules sableuses, ça veut dire que la désertification atteint son stade ultime. C'est sûr qu'il y a des zones qu'on peut protéger, où on peut encore gérer, c'est surtout au niveau de la steppe. Et je dois dire honnêtement que même au niveau de la steppe ouest, nous avons des zones dunaires
actuellement et qui se développe de plus en plus. Avec la dégradation de la steppe. De la steppe. Et l'ensablement pose un problème à la fois, je dirais, sur le plan sanitaire, parce que ça pose des problèmes respiratoires, ça pose des problèmes d'allergie, etc. Mais ça pose aussi un problème sur le plan économique et de développement de ces régions, et en particulier les régions sahariennes. Et tout à l'heure, vous m'avez interpellé sur la problématique des cartes. Il ne faut pas uniquement faire des cartes pour le reboisement ou pour la relance du barrage vert ou pour le projet dont je parlais de Insala Tamarast. Il nous faut aussi cartographier avant l'installation de tout projet de développement, par exemple les routes, les voies ferrées. Moi, j'ai vu des efforts qui ont été faits par l'État dans certains points au Sahara et je ne doute pas du tout des gens ou de l'honnêteté ou de la pensée des gens qui l'ont fait. Mais le fait de ne pas s'être passé par une cartographie, il y a des endroits où on a fait, je dirais, des routes ou des voies ferrées qui posent problème aujourd'hui au secteur du transport. Complètement ensablé. Ensablé et qu'il faut gérer tous les jours. Ça veut dire on dépense du temps, de l'argent, de l'énergie et sans oublier les risques d'incidents, en particulier par des nuits où il y a des tempêtes de sable. Donc nous devons développer l'outil cartographie pour tous les projets, qu'ils soient des projets de reboisement ou des projets de développement des infrastructures. Ça me paraît important. Et faire le suivi, évaluation. Nous avons des équipes. Moi, je peux vous indiquer, il y a une équipe du CERESTRA, une jeune équipe, qui est domiciliée à la station de recherche CERESTRA de Tougourt, qui a fait de l'excellent travail et qui, à mon avis, peut apporter beaucoup pour les secteurs concernés par ces infrastructures. Bien sûr, cet aspect-là est important, mais parallèlement à la cartographie, quand on parle de reboisement, il faut une opération de reboisement de grande envergure. On a vu aujourd'hui avec Sonatra qui met en place son plan climat pour, bien sûr, aller vers le reboisement de pratiquement 100 millions de plans. Mais est-ce que c'est suffisant? Il faut doubler encore davantage d'efforts. Il faudrait que, parallèlement à Sonatra, il y ait aussi d'autres entreprises, d'autres entités, d'autres secteurs qui s'impliquent dans ces opérations de reboisement. Moi, je pense que l'adaptation au changement climatique est une question, je dirais, nationale. Elle implique les décideurs en tête avec le président et le gouvernement, mais ça va jusqu'aux citoyens et jusqu'à nos enfants et nos petits-enfants. Elle renferme à la fois des aspects techniques, comme ce que j'indiquais tout à l'heure par rapport à l'irrigation ou le traitement de l'eau et tout, mais l'aspect socio-culturel. Nous avons aussi développé le volet culturel d'éducation par rapport à la question de l'eau, à l'économie, par rapport à la biodiversité, au respect de la nature. Il y a plusieurs actions. Il y a des actions qui coûtent et qui doivent être prises en charge par des infrastructures ou des sociétés comme Sonatrach, mais il y a des actions, je dirais, à moindre coût qui peuvent être menées par la société civile, par le citoyen, comme vous et moi. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué Sonatrach pour le projet de reboisement, justement. Stratégie climat. Stratégie. Eh bien, pour Sonatrach, elle doit viser à la fois l'adaptation, mais aussi l'atténuation. Ils ont annoncé qu'ils allaient travailler avec les centres de recherche. Oui, et ça, à mon avis, oui, je pense que sur ce plan, ils sont très ouverts là-dessus. Mais moi, je voudrais juste dire que si la Sonatrach se lance d'un projet de reboisement, qu'il soit dans le cadre de la relance du barrage vert ou autre, mais qu'elle intègre les grands espaces sahariens. D'autant plus qu'elle est le premier acteur au Sahara. Et je vais vous dire une chose, moi je commencerai par défaire des périmètres phénicicoles autour des bases de vie Sonatrach. Mais quelles sont les zones du Sahara qui sont les premières menacées aujourd'hui? Toutes les zones sahariennes. Toutes les zones? Toutes les zones sahariennes. Et moi, je en tant que agroécologiste et quelqu'un qui connaît bien la société, je dirais, les milieux sahariens et même... Vous êtes de Tougourt? Non, et en plus, je connais la famille algérienne du nord jusqu'au sud. Je suis quelqu'un de terrain. Je pense qu'il y a des zones qu'il faut prioriser. Lesquelles? C'est pour ça que je vous posais la question. Il y a des zones frontalières. Il y a des zones où il y a déjà une jeunesse qui est désemparée, qui n'a pas de travail. On peut les impliquer dans ces projets, ces opérations, les former. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, la première, si on me demande de former des groupes de jeunes pour planter, je le ferai volontairement et gratuitement. Et ça, nous devons avoir cette
esprit, je dirais, de, à la fois de volontariat, mais aussi de NIF. Alors, quand vous parlez des zones frontalières particulièrement, est-ce qu'on peut considérer qu'elles sont prioritaires aujourd'hui, puisque nous avons vu que nous connaissons un phénomène, bien sûr, de migration très important, induit justement par ce qu'on appelle aujourd'hui les changements climatiques. On parle bien sûr c'est-à-dire de la migration climatique. Il n'y a pas d'eau. Oui, sur le plan humain, nous-mêmes, nous risquons de migrer. Donc, il y a, je dirais, le pour et le contre. Et nous devons être à la fois stratèges pour nos territoires, mais nous ne devons jamais perdre le côté humain. L'Algérie a des positions claires par rapport à toutes les nations du monde et surtout par rapport aux jeunes défavorisés ou des gens qui sont brimés. Donc, nous devons être respectueux de l'humain, quelle que soit la condition avec laquelle il vient chez nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on ouvre les portes. Nous devons avoir une vision avec, je dirais, une politique d'accueil respectueuse à la fois pour les migrants et pour nous-mêmes. Et à mon avis, le développement des territoires frontaliers peut aussi aider le développement des frontalières de l'autre côté. Malgré tout, nous, ce que nous risquons, c'est d'avoir des migrants de l'Afrique. C'est nos frères, madame, après tout. Et nous devons s'entraider entre Africains. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question que c'est posée par l'auditeur. Il faut déjà préserver l'existant. On parle bien sûr de reboisement, mais il faut préserver le potentiel existant actuellement. Le domaine forestier doit être aujourd'hui une ligne rouge. Docteur Lakhdari, construire au niveau de ces zones. Par exemple, vous avez au niveau de l'Algérie quelques espaces à l'Algérois, mais qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire squattés par le béton, envahis par le béton. Et là, c'est une menace parce que c'est le poumon. Ça fait des années que nous n'arrêtons pas de le signaler, surtout les agronomes. Et les arbres drainent la pluie aussi. Oui, les agronomes en général, nous avons toujours dit que les meilleures terres, par exemple pour l'Algérie, se trouvent au nord, dans la zone de la Mitidja et dans l'arrière-pays de la Mitidja, c'est-à-dire les zones montagneuses, et qu'il fallait préserver ces terres. Malheureusement, les bétons, et moi je ne vous cache pas, je vous remercie d'avoir posé la question. J'ai travaillé des années avec mes frères de l'aménagement du territoire et notre premier objectif c'est de voir le mouvement migratoire inversé. C'est-à-dire qu'on espérait qu'un jour les jeunes du Nord allaient se diriger vers les hauts plateaux et le Sud. Malheureusement, jusqu'à ce jour, ce n'est pas du tout le cas. J'ai bien peur. J'ai bien peur que ce soit l'inverse qui est en train de continuer à se poursuivre. Et tout à l'heure, vous évoquez les migrations. Avant de parler de migrations transfrontalières, il y a les migrations internes du pays. Oui. Mais ces migrations internes du pays, rien ne les facilite, rien ne les encourage que quand il n'y a pas le travail ou quand il y a des problèmes sanitaires ou quand il y a des problèmes de développement. Mais vous avez alerté déjà à l'époque où vous étiez à la tête du centre de recherche de Biskra. Oui, tout à fait. J'ai toujours signé. Il faut une continuité, c'est la raison pour laquelle il faut impérativement que le prochain président prenne en considération cet aspect qui est existentiel pour nous, parce que c'est une question de survie. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne veux pas, moi je me sens faire partie de tous les secteurs. D'ailleurs, je le dis là à la radio, n'importe quel secteur qui ferait appel à mes compétences modestes, je le servirai au nom de l'Algérie. Mais je voudrais dire quand même, pour tout le pays, que nous devons quand même écouter nos scientifiques et faire appel à eux avant de décider telle ou telle politique. Et la question du climat, elle n'est pas uniquement technique. Il y a aussi toute l'adaptation des programmes politiques de développement. Elle est aussi géopolitique. Oui. D'ailleurs, moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a tout se mêle. Ébullition géopolitique, ébullition écologique, ébullition socio-économique. Médiatique avec la Khalif. Médiatique avec Khalif ou avec la question palestinienne ou autre. Vous savez, de toute façon, aujourd'hui, on ne peut rien cacher. Tout est mis à nu. Et donc, nous avons intérêt à compter sur nous-mêmes, à travailler et à développer, je dirais, les compétences, utiliser les compétences algériennes de n'importe quel secteur, de n'importe quelle catégorie, de n'importe quelle génération. Nous avons des gens âgés, comme moi, qui peuvent apporter quelque chose, ou plus âgés, des gens comme vous, des gens plus jeunes. Donc il faut faire appel à tous. Et il y a un point qu'on n'a pas évoqué,
c'est tout ce qui est éducation par rapport à la question du changement climatique. Il ne faut pas que ça soit occasionnel, il faut que ça rentre. Ça fait partie de la stratégie qu'on a tracée. Pardon, je m'excuse si j'ai dépassé le temps. Mais, docteur Fatoum Lakhdari, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. À bientôt, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. À bientôt, au revoir.